La paix du Seigneur soit avec vous. Dernièrement, je me retrouvais en Israël parce qu'à tous les ans, depuis 20 ans déjà, j'amène des groupes découvrir le pays de Jésus. Et alors que nous étions devant le Golgotha, le mont du crâne, où Christ a été crucifié, je lisais le verset suivant tiré de Acte 13. À compter du verset 28, il est écrit qu'ils qu ne trouvassent en lui rien qu'il fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et là, soudainement, j'ai été saisi par la réalité de ce que devaient vivre les disciples de Jésus lors de cet événement. Et on, trop souvent de fois, on, 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 on fait de ces hommes euh, dont la Bible nous parle euh, des, des saints, alors que la Bible nous dit qu'ils étaient des hommes ordinaires comme nous. C'est ce qui est écrit dans Jacques au cinquième chapitre au sujet d'Élie. Élie était un homme de même nature que nous. Et les disciples étaient des hommes de même nature que nous. Et un jour, et eh bien comme on le lit dans les Évangiles, et eh bien ces disciples ont été appelés par Jésus d'abandonner leur carrière, leur profession, leur métier pour le suivre. Parce qu'ils ont reçu la révélation que Jésus était véritablement le Messie d'Israël. Et donc... Les douze euh, disciples de Jésus qui ont tout quitté pour le suivre, je m'imaginais que lorsque Jésus était au sommet de sa gloire, j'imagine que les apôtres devaient être fiers d'avoir été choisis par Jésus et de dire à leurs copains autour, « Écoute, si tu veux un rendez-vous avec le maître, je peux t'organiser ça. Je fais partie de ses disciples. » Et ils étaient au bénéfice de la gloire euh, qui était sur Jésus lorsqu'il était au sommet, de son ministère et que les foules l'acclamaient, car partout où il allait, il faisait du bien, guérissait les malades, nourrissait les multitudes, etc. Mais là, ces mêmes disciples qui un jour avaient été convaincus que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie d'Israël, voyaient celui pour qui ils avaient tout quitté, être arrêté, subir un semblant de procès, être jugé et condamné à la crucifixion. Et là, je m'imagine la déception, le désarroi que ces hommes ont dû connaître. D'ailleurs, ils se sont tous euh, enfuis lorsque Jésus a été arrêté au Jardin de Gethsemane. Ils avaient peur de subir la même chose. Pierre, cet apôtre de feu qui avait dit à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi jamais je ne t'abandonnerai. Jésus lui a dit, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié trois fois. Et c'est ce qui est arrivé. J'imagine la déception, le désarroi dans le cadre de ces hommes qui avaient tout quitté pour le suivre. Et là, lui, le Messie d'Israël, le fils de Dieu, eh bien, était cloué sur une croix, en train d'agoniser. Il est mort, on a descendu sa dépouille et on l'a mis dans un tombeau. Mais le verset 30 nous dit, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et là, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et il m'a rappelé que combien de fois dans notre marche chrétienne, on arrive dans des situations comme les, comme les disciples, comme les apôtres, où nous aussi, eh bien, on est devant euh, la, la non-réponse. On, on, on a cru, on a supplié, on a crié à Dieu, on a pensé que, que Dieu, et il avait qu'un mot à dire et que ça arriverait, euh, que Dieu interviendrait. Et silence radio. Pas de réponse. Et là le découragement vient, le doute s'installe. Dans l'épreuve, notre pire ennemi, c'est le doute qui veut nous amener à l'incrédulité. Vous savez Jean-Baptiste un jour, eh bien, a reçu la révélation de Jésus alors que lui baptisait au Jourdain, au Jourdain quand Jésus est venu vers lui, il a dit à la foule "Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde." Ce même Jean-Baptiste disait au sujet de Jésus que celui qui vient après moi est plus grand que moi, je suis même pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser de feu. Mais lorsque Jean-Baptiste s'est trouvé en prison, il envoie ses disciples vers Jésus puis dit Es-tu celui qu'on attendait, ou devons-nous en attendre un autre Dans l'épreuve, dans la difficulté, lorsque la réponse de Dieu tarde, eh bien, notre pire ennemi, c'est le doute, qui veut nous amener à l'incrédulité. Et j'imagine que ces apôtres étaient dans cet état-là. Mais heureusement pour eux et pour nous, l'histoire ne s'est pas terminée là. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et là, j'ai été interpellé. J'ai commencé à regarder dans, dans, dans ma Bible les versets où il y avait des situations qui semblaient catastrophiques. Ça semblait être fini. Mais il y a eu le mais de Dieu. Le mais de Dieu. Et là, il m'est venu l'histoire de Josaphat. Josaphat qui est assaillé de toutes parts et qui soudainement réunit tout son peuple dans l'assemblée de Dieu. Et là, il commence à prier, à crier à Dieu. Et là, il explique à Dieu la situation. Et on lit cela dans 2 Chroniques 20. Il dit, ô oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons pas. Que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous vous dites sans force, que vous ne savez plus quoi faire parce que les événements qui sont contre vous sont trop nombreux, sont trop puissants. Vous savez plus quoi faire. Faites comme Josaphat aujourd'hui. Dis Seigneur, je me sens sans force. Je sais plus quoi faire, mais mes yeux sont fixés sur toi. Et lorsque Josaphat a déclaré que malgré la situation qui semblait catastrophique, la défaite était assurée, ils étaient pour se faire massacrer, mourir, eh bien, il a dit, mes yeux sont fixés sur toi. Dieu a envoyé sa parole à travers un membre de l'Assemblée et il a dit, ne jetez pas des regards inquiets. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est moi qui vais combattre pour vous. Et là, il a dit à Josaphat, Allez, mettez les chantres devant et faites face à l'adversaire en louant mon nom. Et au moment où ils ont commencé à louer Dieu, l'ennemi eh a subi une embuscade. Dieu a envoyé une embuscade dans le camp de l'ennemi. Et quand Josaphat et ses musiciens ils sont arrivés dans le camp de l'ennemi, eh il leur a fallu trois jours et demi pour récupérer le butin. Il y a une puissance dans la louange. Et louer Dieu quand tout va bien, n'importe qui est capable de faire ça. Mais louer Dieu quand il n'y a plus d'espoir, louer Dieu quand tu es sans force, louer Dieu quand il n'y a plus d'espérance pour toi parce que tu penses que la situation, elle est terminée. Eh bien, sache qu'il y a un mais de Dieu pour ta vie. Quand tu penses que c'est fini avec Jésus-Christ, ce n'est pas encore fini. Mais quand tu penses que là, c'est vraiment fini, tu as prié ce qu'il y avait à prier, tu as jeûné ce qu'il y avait à jeûner, tu as intercédé ce qu'il y avait à intercédé, tu as déclaré ce qu'il y avait à déclarer, et il n'y a pas de résultat et tu penses que c'est fini, j'aimerais te dire qu'avec Jésus, ce n'est pas encore fini, parce qu'il est celui qui aura le dernier mot. Job, dont on cite souvent l'exemple lorsqu'on fait face à des tribulations, à des épreuves, à des difficultés. Job, au chapitre 19. Si vous connaissez un peu l'histoire de Job, eh bien, au chapitre 19, il, est, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu ses biens matériels, il a perdu ses finances. Et pour ajouter à cela, sa femme à ses côtés lui dit ⁇ Maudit Dieu, puis crève ⁇ un bel encouragement quand tu es dans l'épreuve, d'avoir autour de toi des gens qui, au lieu de, de t'exciter te, de à la fois, au lieu de t'encourager à croire Dieu, croûte que croûte jusqu'au bout, comme j'aime le dire, eh bien, ils sont là à te décourager en te disant, Maudit Dieu, puis crève! Mais je, je, euh, je, euh, pardon, Job ne s'est pas laissé arrêter par ses amis. Il a dit, Je ne sais pas pourquoi ces choses m'arrivent. Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais fait les choses autrement. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé, vous aussi, de dire Ah, moi, si j'étais Dieu, je ferais ceci, je ferais cela, ou je ne ferais pas ceci, ou je ne ferais pas cela. Mais <coughs> force est d'admettre que vous, ni vous ni moi ne sommes Dieu, donc on doit s'en remettre à celui qui est Dieu. Et c'est ce que Job a décidé de faire. Il dit Je ne comprends pas pourquoi toutes ces choses m'arrivent. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de malheur, pourquoi il, il m'est arrivé ces situations, mais il y a une chose que je sais. Une chose Mon rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Mon frère, ma sœur, tu peux déclarer aujourd'hui dans ta situation Seigneur, je ne sais pas pourquoi ces choses, Marie, je ne sais pas pourquoi il y a tant de malheurs, la maladie, la détresse et autres, mais il y a une chose que je veux déclarer en face de mon ennemi aujourd'hui c'est que je sais celui qui aura le dernier mot dans ma situation, et celui qui aura le dernier mot dans la situation, c'est l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel des armées en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Le psaume 34, verset 20 nous dit, Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel, un autre mais, mais l'éternel l'en délivre toujours. Tu peux avoir confiance que Dieu va agir dans ta situation, peu importe le niveau où tu en es rendu, tu peux avoir confiance que Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est lui qui va se lever le dernier dans ta situation. C'est lui qui aura le dernier mot. Toi, fais-lui confiance. Commence à louer, même si tout autour de toi voudrait t'empêcher de louer. Si tout à l'intérieur de toi veut faire tout sauf louer Dieu, fais-toi violence, ose louer l'Éternel et tu vas voir la puissance de Dieu agissante. J'aimerais terminer avec cette histoire du livre des lamentations. Le livre des lamentations a été écrit par le Saint-Esprit, mais au travail du prophète Jérémie. Et s'il y a un prophète dans l'Ancien Testament que j'aurais pas voulu être, c'est Jérémie. Jérémie a été choisi dès le sein maternel pour être un prophète en Israël dans une situation catastrophique dans le pays. Et, et, et Jérémie, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était pour annoncer au peuple des mauvaises nouvelles. Et le peuple ne voulait plus l'entendre, ne voulait plus l'écouter. Ils l'ont jeté dans une citerne ils ont voulu le tuer. Il n'était pas un prophète très populaire contrairement à bien des supposés prophètes d'aujourd'hui qui surfent sur cette vague de prophétie pour leur popularité. Mais ça, c'est un autre sujet que Dieu s'en occupe. Ce n'est pas à moi de m'en occuper. Mais Jérémie était un vrai prophète de l'Éternel et le vrai prophète de l'Éternel vivait des persécutions. Et c'est la raison, je crois, pour laquelle Dieu l'a autorisé à écrire le livre des lamentations. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés. Mais une petite séance de lamentation, de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être capable de, de se vider le cœur puis de dire tout ce qui ne va pas et, et, et de, de, de raconter nos malheurs, nos misères, et etc. Mais il ne faut pas en rester à cela. On a un témoignage à donner autour de nous et ce témoignage se manifeste puissamment à travers notre attitude dans l'épreuve. Mais Jérémie, pour en venir à lui dans le livre des lamentations, au troisième chapitre, écoutez bien ce qu'il dit. C'est Jérémie qui parle. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Vous pouvez mesurer l'ampleur de sa détresse, qu'un prophète de Dieu en soit arrivé au point de dire, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Il continue. Quand je pense à, la, à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Bien-aimé, en cinq versets, on retrouve un homme qui est dans une profonde dépression, qui déclare que sa force est perdue et qu'il n'a même plus d'espérance en l'Éternel. Et quelques versets plus tard, alors que rien n'a changé autour de lui, que la situation, la détresse est la même qu'elle était quelques minutes auparavant, se met à louer Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jérémie Et c'est que Jérémie a eu une révélation. Il a pris conscience que ce à quoi il pensait avait un effet direct sur l'état de son âme. Voici quand je pense à ma détresse, à mon malheur à l'absinthe et, et au poison, à tout ce qui ne va pas dans ma vie, quand je pense à ces choses, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à tout ce qui ne va pas, quand je parle de tout ce qui ne va pas, eh bien je sombre dans le désespoir et toute espérance devient perdue pour moi. Et là, Jérémie réalise. Mais c'est lui qui peut décider ce qu'il veut repasser dans son cœur. En d'autres mots, la télécommande, c'est lui qui l'a. C'est lui qui choisit si Ciel FM ou enfer FM. Enfer FM, c'est tout ce qui ne va pas, mon malheur, ma détresse, l'absinthe, le poison, toutes les impossibilités que l'ennemi veut nous faire croire. Ou Ciel FM. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent pour moi chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, ô oh, mon Dieu! C'est ça qui a sauvé Jérémie. Il a choisi de se repasser dans son cœur des choses qui lui donneraient de l'espérance, des choses qui seraient pour lui source de vie et non pas source de malédiction. C'est lui qui avait la télécommande. Mon frère et ma soeur, c'est toi qui as la télécommande. Le zapper, c'est toi qui l'as. Enlève-le à ta femme si elle te l'a pris. C'est l'homme qui doit avoir le zapper. Non, c'est une blague. C'est juste pour saisir votre attention. Mon frère et ma soeur, c'est toi qui peux décider ce que tu veux repasser dans ton cœur. C'est toi qui as le choix. Personne ne peut t'obliger à repasser ton malheur, à te rappeler des choses qui ne vont pas. Souvent, je dis aux gens. Au lieu de dire à Dieu combien grande est ta difficulté, dis à tes difficultés combien grand est ton Dieu. Ce n'est pas plus difficile. C'est une décision. C'est une question de choix. C'est de décider de déclarer les choses de Dieu, les promesses de Dieu, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés, de dire ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce sont des choses qui vont me donner de l'espérance. Et qu'est-ce qui peut nous donner de l'espérance sinon les promesses de Dieu pour notre vie? Sinon les promesses de Dieu pour ta vie. Dieu est avec toi. Rappelle-toi que peu importe ta situation, peu importe tes circonstances, il y a un mais, M-A-I-S, un mais de Dieu pour ta vie. Répands ton cœur devant lui. Déclare que malgré la situation dans laquelle tu te trouves, tu veux croire que Dieu aura le dernier mot dans ta situation car le maître de Dieu va se déclarer, se manifester dans ta vie car ton Dieu règne et comme Job, eh bien c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre, c'est lui qui aura le dernier mot, c'est vraiment la grâce que je te souhaite au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, on épouse Corinne avec un message va venir encourager c'est celle d'entre vous qui nous écoutez à déposer vos, vos fardeaux au Seigneur et faire confiance qu'il y a un mais pour ta situation. Amen. Je vais vous parler d'une histoire vraie qui se trouve dans la Bible et qui révèle une solution divine et l'arrivée d'une bénédiction absolument inattendu. Ça parle d'une personne qui pensait aussi que tout était fini et qui a vu qu'il y a une possibilité de Dieu de illimité pour donner, apporter une solution complètement inattendue. Exode 1 On voit que le roi d'Égypte donne l'ordre de faire mourir tous les fils dès l'accouchement. On trouve la femme de Lévi qui enfante un fils. Cette maman, elle voit que son fils est beau. C'est tout à fait légitime. Elle n'avait rien fait de mal. Elle a juste accouché d'un enfant qui était beau. Mais à cause de l'ordre de qui avait été donné de, par le roi, elle a été obligée de cacher cet enfant. Elle l'a protégé du maximum qu'elle a pu. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer de sauver son enfant de la mort. On va se positionner comme cette maman. On a un problème, un fardeau. On a quelque chose peut-être de tout à fait légitime qui nous arrive et qu'on veut protéger. Quelque chose de beau, quelque chose qu'on n'a pas fait de mal, c'était juste de l'avoir. Mais c'est menacé. On se retrouve dans cette situation où on a passé par tous les états. On a jeûné, on a prié, on a supplié et on arrive au bout de nos possibilités. On ne sait plus quoi faire. Il arrive le moment où il faut déposer et lâcher prise parce qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Je me suis trouvée dans cette situation il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que je peux témoigner avec mon cœur que ça fonctionne. Et j'ai fait comme cette maman. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle a fait. Pendant trois mois, donc, elle a caché. Et il y a un verset qui nous dit, au verset 3 de Exode 2, Et ne pouvant plus. Quand on n'en peut plus, quand on est au bout. On lâche prise. Cette maman a fait un coffret en jonc. Je me suis fait un coffret en jonc, spirituellement parlant. Ensuite, on voit qu'elle l'a enduit de bitume et de poids et elle a mis l'enfant dedans. Le bitume et le poids. C'est le symbole de l'onction, de la présence divine. Cette maman a mis toutes ses larmes dedans, toutes ses prières, toutes ses supplications, et elle a déposé son problème dans ce coffret, dans la présence de Dieu. Ne pouvant plus s'en occuper, je dépose tout dans mon coffret. Et ensuite, j'abandonne ce problème, j'abandonne ce coffret sur le fleuve de la grâce. Elle est allée au bord du fleuve et elle allait poser son panier d'osier sur le bord du fleuve. Elle savait qu'elle ne pouvait plus sauver sa situation. Elle ne pouvait plus prendre soin de ce qui lui était cher. Il a fallu l'abandonner à la grâce surnaturelle de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec mon problème, ne pouvant plus m'en occuper, ne pouvant plus le porter, étant arrivé au bout de mes ressources, je l'ai déposé dans ce panier où habitait la présence de Dieu, et je l'ai vu partir sur le fleuve de la grâce. Je n'ai pas pu le retenir, je n'ai pas pu en prendre soin, et toi non plus, si tu veux t'associer maintenant à cette démarche, de lâcher prise par rapport à ce que tu ne peux plus gérer, qui est peut-être injuste, qui est au-delà de tes forces. Tu peux maintenant déposer ton Moïse dans la présence divine et le laisser partir avec confiance sur le fleuve de la grâce. Il s'en occupe. Il s'est occupé de cet enfant. Il s'est occupé de mon problème récemment. Il s'occupe de votre problème à partir du moment où vous lui faites entièrement confiance et que vous ne retenez pas le panier, que vous n'essayez pas de soulever le couvercle pour voir comment ça se passe dedans, que vous n'essayez pas d'aller vous-même rapporter votre petite solution, mais que vous l'abandonnez complètement à la grâce divine. Cette maman ne connaissez pas la suite quand elle a fait cette démarche vous non plus vous ne pouvez pas savoir comment va se passer la gestion de ce problème mais vous pouvez être assuré que dans la présence divine c'est là que va se passer le miracle c'est là que la solution va être trouvée ne vous inquiétez de rien abandonnez juste Lâcher prise, c'est l'étape la plus difficile. Mais si cette maman a pu le faire, on peut tous le faire. On sait ce que c'est que d'avoir un enfant et de devoir l'abandonner. On ne l'abandonne pas au monde, on l'abandonne à la présence de Dieu. Combien j'ai été étonnée, émerveillée, de lire au verset 9, L'enfant revint à sa mère avec un salaire pour la rétribuer pour l'allaitement. Qui sait si une bénédiction ne va pas venir bien après avoir pratiqué cet abandon à la grâce divine. Ne vous inquiétez de rien. Quand on dépose son souci, son problème, même son, son bien le plus légitime dans la présence de Dieu, il peut vous revenir avec un salaire, avec une grande bénédiction. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous, et c'est ce que ce que je prie pour vous maintenant, aujourd'hui. Lâchez prise et croyez que la grâce est suffisante pour vous bénir encore abondamment. Amen. Vous, vous pouvez plus le porter comme la mère de Moïse. Eh bien, fabriquez-vous vous aussi, spirituellement, eh bien, un panier d'osier dans lequel vous allez l'enduire de la présence de Dieu par vos larmes et dire « Seigneur, j'en peux plus. Je suis rendu au bout. Je ne peux plus le porter plus longtemps. Voici, je dépose mon fardeau dans ce panier et je le remets sur le fleuve de ta grâce. » Dans 1 Pierre 5,7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » À vous d'agir.